C'est un véritable rituel auquel il se livre chaque dimanche soir que Franck Dubosc dévoile dans les colonnes du journal du dimanche de ce 12 février. Interrogé par l'hebdomadaire sur sa routine dominicale, la star de camping a confessé avoir instauré une étonnante habitude à laquelle on aimerait tous adhérer, se faire masser à domicile. L'acteur ne s'offre néanmoins pas ce luxe seul puisque c'est bel et bien toute sa famille qui passe sous les doigts experts d'une praticienne à domicile. Les premiers à en profiter sont ses deux fils à 19h30, pour qu'ils se couchent tôt. Ensuite, c'est mon tour, puis celui de ma femme, a-t-il détaillé. On finit vers 21h45, on dîne léger puis je me glisse sous la couette. A-t-il souligné, précisant qu'il prenait grand soin à ne pas déborder cette dernière. La maison est calme, je savoure, s'est souvenu l'humoriste. Et d'ajouter, en tournage, cette parenthèse me manque. Photo, Franck Dubosc et son épouse complice pour une rare sortie en couple si l'interprète de Patrick Chirac a ainsi pris l'habitude de terminer le week-end par un moment de détente et de sérénité, il l'avoue volontiers, il consacre l'intégralité de la journée du dimanche à se reposer. N'a aucun impératif, les heures semblent s'étirer, j'y tiens beaucoup. Pas de rendez-vous, pas de planning, que du repos. Ne rien faire, c'est mon objectif, a ainsi souligné le comédien. Au programme, entraînement ou tournoi de football avec ses garçons de 10 et 13 ans, puis farniente pour les parents tandis que les deux adolescents ont le droit de jouer à la PlayStation, suivi d'un déjeuner en famille régulièrement pris au Petit Pousset, un restaurant situé sur l'île de la Jatte, à Neuilly-sur-Seine, ou dans un autre établissement du Bois de Boulogne mais jamais dans Paris intramuros. Cela m'inquiète quand je sens que tout est fermé autour de moi. J'ai l'impression de me retrouver dans une ville morte, a avoué Franck Dubosc. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit photo, Coadic-Best Image.